Et salut et bienvenue sur la Nomar TV pour un nouvel épisode de Fallout 4. Donc la dernière fois nous avions infiltré l'institut, nous avions contacté le Patriote et maintenant il nous fallait des codes administrateurs pour pouvoir désactiver le système informatique de l'institut, tout du genre, tout ça, tout ça. Code Defender. Un truc du genre. J'ai pas trop suivi le côté technique de la mission. Donc là, il faut qu'on rentre dans un labo. Et donc, je me rappelle qu'il est bien mal fréquenté. Donc ça m'arrange moyen, mais bon. Quand il faut, il faut. Laboratoire Cambridge Polymer. A noter qu'ici, il y a un plastron d'armure assistée légendaire à récupérer si vous faites la quête. Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymer. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler? Pas du tout. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je dois vous informer qu'il s'agit d'un site sécurisé et que l'accès aux personnes extérieures se limite à l'entrée. Ça marche. Cause toujours, tu m'intéresses. Alors. Ouais. Fait mal aux yeux. Donc là, il y a de la tourelle. Donc là, elle, c'est pour débuter la... Justement, la quête qui vous débloque le plastron de l'armure assistée. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Puis, si possible, j'aimerais réussir à récupérer ce que je viens chercher assez rapidement. Mais voilà, c'est verrouillé par du maître. Et ça ne m'arrange pas. Mais alors, du tout. Du tout, du tout. Parce que je vais être obligé de faire la quête, au final. Et ça me plaît pas. Déjà parce que c'est long. Bienvenue au laboratoire. Pas de pickpocketé. Cambridge Polymer. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler? Bah oui, hein. J'ai pas le choix. D'accord, ça m'intéresse. Bien, alors commençons l'entretien. En raison d'importants besoins de personnel dans tous les domaines, nous avons simplifié le test d'embauche. Question numéro 1. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la synthèse de polymères? Pas du tout. Ouais. Calcul des résultats du test. J'ai le plaisir de vous proposer un poste de chercheur. Il était rapide ton test. Une belle carrière dans la recherche de polymères vous attend. Souhaitez-vous suivre le parcours d'intégration avant de vous mettre au travail? Alors ce qui est débile, c'est que si j'avais utilisé le... La ligne de dialogue de persuasion, ça me ramenait exactement à la même réponse. Je m'aurais juste fait gagner de l'XP, donc c'est complètement débile. Pas la peine. Non, pas la peine. En raison d'un manque de personnel, le parcours d'intégration n'est pas nécessaire. Suivez-moi au laboratoire. Ouais, parce que c'est un peu chiant ton truc. Mais si. Des boissons gratuites sont à la disposition des employés. Après, veuillez étiqueter toute nourriture ou paquet de cigarettes que vous laissez dans la salle. Je voudrais juste voir. Ah là ! Pas besoin de faire la quête. On peut y passer l'année. Hein. Et ça, c'est pas agressif. Parfait, ils ont rien vu venir. Voilà, donc j'ai terminé la quête polymère. De façon un petit peu plus rapide. Ce gun est une tuerie. Littéralement. Alors. Un chirurgien. 2% de dégâts supplémentaires aux membres. J'en fous un peu. Terminal du directeur. Non, non. C'est pas ça.
T'es pas là? Il me semble que c'était là. Alors j'ai craqué ou quoi? Ah bon, il me semblait que c'était le directeur qui possédait ça. Bon bah j'ai dit n'importe quoi. Je vais aller m'y promener tranquillement. On va récupérer ça vite fait. Faire une petite save. Rien d'intéressant. Allez, dans les labos. Pourquoi c'est fermé là? Ici c'est radiation, goule et compagnie. Voilà, ça c'est ce que vous devez utiliser pour récupérer votre plastron légendaire, mais je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors on a de la goule là-bas. Et d'or. D'or. Faut trouver le GoldenEye. Où est mon Golden Gun? C'est à 8 mètres. Au-dessus. Bon, on va aller au-dessus. Je me méfie parce que les coups, c'est pas mon truc. On court trop vite. Morte. On va se coucher toi. Il y en a une qui se lève, elle est où? Elle est où? Chut, 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 elle est où? Je suis un agent spécial infiltré. Un expert non novice, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non. Ah. Nous avons une. Ouh, deux goules. Faudrait juste une petite tête là. Voilà. Don't move. Parfait tout ça. Marche bien ce petit pétard, j'aime bien. Tes petits guns, c'est plutôt de la belle. Ça me change un peu la vie. Bon, en même temps, je pourrais les choper au couteau. C'est pas non plus la fin du monde. C'est de l'huile ça ou pas? Bidon en alu. Ouais non c'est de l'alu. L'alu je m'en fous en fait. Puis en plus c'est lourd. Fais péter la montre en or. Donc là c'est des isotopes qui servent pour la quête, mais je vais pas. Je vais pas les ramasser. Mais il faut que j'aille là-bas. Hop! Comment je déverrouille ça, c'est expert. Impossible de déchiffrer le code. Ah oui, je sais, c'est bon. Je passe par là-bas. Truc du genre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'or. Je vais essayer quand même d'économiser un minimum. Les Haymo. Ça part en couille. Ça part en couille. Prends ça dans ta tête. Ah oui, ça part en couille. C'est passé en offensif les tourelles. J'ai rien fait moi. Beurre. C'est bon, elles sont. Ah non, elles sont pas agressives. J'ai rien fait moi.
On se calme, hein. Hop là. Double dose. Petit steam pack, parfait. Non, non, non. Capsule, Manta. On va se soigner. Radeway. Radeway. Nuka-Cola. Une pommade. Ok, c'est parti. On va passer par les conduits. C'est mort tout ça? Non, moi je pense. Ça mérite une petite double dose. Ça c'est mort. Et ça c'est mort. Méritez quand même une petite double dose gratos. Hop! Aïe. Ah, chaque fois je suis pas sur le bon timing. Oh. Dégage. Il m'a retiré trop de vie pour rien, lui. J'ai jamais le bon timing avec les ghouls. Jamais le bon timing pour parler, de toute façon. Très rarement. Quand je l'ai, c'est plus de la chance qu'autre chose. Oh, un petit piège, les malins. Et on va récupérer le code. Je crois. Système de défense, chambre, relais de messagerie, dernière note de patch. C'est pas ça. C'est ça que je veux. Oui, c'est ça. Ah bah c'était ça. Retournez voir Desdemona. Donc là on sort. Gentil les tourelles, gentil. Sage. Moi, ami. Et on se casse. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Calme-toi. Ouvrir la porte. Mais non. La porte intérieure. Qu'est-ce qu'il se passe? Je t'ai cassé, toi. Je t'ai détruite. Je dois vous informer que Monsieur Elwood, notre directeur, a imposé des heures supplémentaires afin de rattraper le retard accumulé. Avez-vous terminé les recherches concernant le projet de revêtement piézo-nucléique? Laisse-moi sortir, espèce de saloperie mécanique. Je l'ai détruite. Tout chercheur tentant de quitter les laboratoires avant la fin du projet sera licencié immédiatement. Je peux pas sortir. Mais je l'ai détruite, elle devrait pas me faire chier. N'importe quoi, ils m'ont ranimé le robot pour qu'il me bloque la voie. N'importe quoi. Bon ben, il faut que je trouve une sortie. Trouver un autre moyen de vous enfuir du laboratoire. Ah, les lourds. Bon, ben on va sortir autrement, hein, c'est pas grave. Qui était tout fier d'avoir trouvé une technique pour tracer. Au final, ça va être plus long que prévu. Non, ça c'était complètement débile. Ça c'était con-con. Quoique. Comment j'y retourne? Parce que là, il faut que j'aille dans une zone qui est remplie de radiation. En plus, c'est parfait. C'est pas par là, c'est pas par là. Du coup, là, je suis un peu paumé, là. Si c'est pas là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce pins? C'est par en bas? Ah, c'est par en dessous. Faut suivre un petit peu. Ah, mais c'est fermé, ça. Bah, il s'est fermé, comment je l'ouvre? Ah, peut-être avec le terminal. Ah, oui, avec le terminal. Allez, on va y arriver. Je vais m'en sortir. Faut que j'arrête de refaire tout le temps parce que je peux passer par la porte que j'ai ouverte quand même. Depuis tout à l'heure. Allez, zou. Donc. Calme-toi, PC. Calme-toi.
Alors. Chambre de décontamination reliée. Annuler le verrouillage. Il me semble que c'est bon. J'ai bien dit, il me semble. Pas du tout. Parfait. Ok. Je vais y arriver. Hein. Promis, je vais y arriver. Non. Je vais pas y arriver. Je suis un gland. Et hop. Système de défense. Commande d'urgence. Site compromis. C'est peut-être bien ça. Oui, bah, je peux. C'est ça. D'avoir les portes, mais ça active les tourelles, je suppose, non? Ah oui. En effet. Tchuss! Là, on va se prendre une petite mine frag. Une petite mine frag. Oh, une mine cryo même. Mais non, mais c'est encore fermé. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce pins? Données. Retournez voir Desdemona. Terminez le projet de recherche. Trouvez un autre moyen de vous enfuir du laboratoire. C'est fait. Comment je sors? Bon, je crois que je suis en train de merder là. On est d'accord que c'est encore fermé là. Je peux pas sortir. Ah non, c'est ouvert. Non, je t'ai tué toi, un petit peu. Hein? Restez morte, s'il te plaît. Oh! Ne mets pas des coups de tronçonneuse. Petite parade. Hop là, petite parade. Hop là, je t'enlève le chapeau. Hop là. Bon, tu restes morte, merci. Deux clés du directeur. Deux va mieux qu'une. Même mieux qu'une, je bégaye. Donc là, je suppose que les tourelles, elles sont pas contentes. C'est pas grave, on va les ignorer. Hop là. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va de ce pas gentiment... retournez voir nos amis du réseau du rail. Pardon? Je parie que vous aviez jamais rencontré de synthétique avant Glory. Tu peux te pousser. C'est pas à toi que je parle, dégage. On s'est allé occuper. Il va pas me parler. Desdemona? Desdemona! Tout le bordel sur la table, attends. Une bonne partie d'entre vous est déjà au courant. Et je ne peux plus vous demander de garder une telle information secrète. C'est trop énorme. La rumeur dit vrai. Nous avons un agent à l'intérieur de l'Institut. Cet homme, la bricole, qui a réussi cet exploit? En partie, oui. Mais le dispositif et son assemblage sont à mettre au seul crédit de Nomad. Après l'assemblage du dispositif, il est entré dans l'Institut et en est ressorti. Bon, c'est crack, pas Nomad, mais on ne sait pas exactement. On pense qu'il est sous l'ancien CIT, mais ils utilisent un téléporteur pour entrer et sortir. Il pourrait être n'importe où. Qu'est-ce qu'il a découvert? Je sais que vous avez tous des questions, mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Sachez seulement une chose. Les opérations qu'on va lancer prochainement seront les plus importantes de notre vie. On a une chance de sauver plus de synthétiques qu'on n'aurait jamais pu espérer. Alors au boulot. Ok. Non, fous-moi la paix, toi. J'ai le mot de passe de Code Defender pour le Patriot. C'est bon, travail. De notre côté, on a épluché votre rapport. C'était fascinant.
comme si plusieurs pièces du puzzle s'étaient mises en place d'un coup. Notre analyse finale indique que l'Institut est encore plus redoutable que ce qu'on craignait. Capacité de cette nana à jamais me regarder. Si on organise la libération simultanée des 13 synthétiques du Patriote, on ne pourra plus jamais en sauver d'autres. Au lieu de ça, on va en profiter pour sauver tous les synthétiques de l'Institut. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Okay. Voilà un plan ambitieux. On ne peut pas laisser passer cette chance. L'Institut ne laissera jamais filer ses esclaves sans rien faire. Le plus gros problème, c'est les effectifs. Même si on fait appel à tous nos agents, ce que je compte bien faire, on ne fera pas long feu contre l'Institut. Parlez à Z-114. Si les synthétiques de l'Institut veulent leur liberté, ils vont devoir se battre et risquer leur vie pour la gagner. Compris. Compris. Bien. Ce qui nous amène à un sujet délicat. On doit beaucoup aux Patriotes, mais on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. Ça pourrait le rebuter d'apprendre qu'on est prêt à tuer pour libérer les synthétiques. Ah bah ça y a des chances. Alors obtenez de lui ce dont vous avez besoin et coupez les ponts. Oh, c'est pas très gentil. Mais bon. On est tous avec vous. Allez. Pam a demandé à vous voir. Oui, oui. Elle fait que ça, demander à me voir, Pam. Alors, on retourne à l'Institut. Hop! Happy Boy. Vous étiez là le jour où les bombes ont explosé? Ça devait être terrible. Ça passe, ça passe. Parlons vite, il ne faudrait pas qu'on nous remarque. J'ai pris les dispositions nécessaires pour amener les 13 dont nous avons parlé en position. Mais, dites-moi, pensez-vous que le plan de Monsieur Binet va marcher? T'as des doutes? T'as un meilleur plan? J'ai un meilleur plan. Profiter de l'occasion pour libérer tout le monde. Mais les synthétiques vont devoir se battre. Et moi qui trouvais le plan de Monsieur Binet trop ambitieux. Bien sûr que je suis prêt à me battre pour ma liberté. Et j'en connais d'autres qui seraient du même avis. T'es bien. Mais assez pour affronter tous les gardes. Peut-être que si on tient tête ouvertement aux chercheurs, d'autres se joindront à nous. Oui. Même si la plupart refusent de prendre part au combat, il doit forcément y en avoir qui attendent une telle occasion depuis longtemps. Mais il faut aussi s'attendre à ce que certains synthétiques se battent pour l'Institut. Le réseau vous aidera. Vous ne serez pas seul. Le réseau du rail se battra à vos côtés. Ensemble, nous avons une chance. Bah oui. J'admire Monsieur Binet. Mais il ne faut pas lui parler de ce plan. Ce sont les siens que nous allons devoir affronter. Je vais contacter mes amis. Retrouvez-moi ici demain. Si je ne suis pas là, dites-vous qu'il m'est arrivé malheur. Ok. Et non, en fait, je travaillais pour l'Institut. Bref. En dessous? Ah non. Monsieur Binet. Procurez-moi ce que je vous ai demandé, et ça roule. Liam, j'ai l'identifiant et le mot de passe. On peut vraiment compter sur le réseau du rail. Tant sur moi, ça pas sur ça va me prendre un bout de temps de connecter ce vieux truc aux terminaux modernes, même avec le mot de passe. Donnez-moi ça que je m'y mette tout de suite. Est-ce qu'il serait possible de sauver davantage de synthétiques? Les 13 dont je vous ai parlé sont les seuls à qui on peut faire confiance avec certitude. Si je décide d'en contacter d'autres et que l'un d'eux est fidèle à l'Institut, tout notre plan risque de partir en vrille. C'est une opération délicate. Ça te poserait un problème si on avait recours à la violence? Pourquoi cette question? On raconte des trucs sur le réseau du rail, comme quoi vous êtes des extrémistes. Si jamais je vois que vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un, j'annule l'opération moi-même. Ok. Tiens, les voilà. Super. Dites, j'aurai besoin d'un service. Z-114 travaille encore à l'Atrium. Vous pourriez aller le mettre au courant? Ce serait moins risqué pour vous. Oh là là, je suis vraiment un coursier, hein. Du coup, c'était pas si con... Le choix d'Obsidian dans New Vegas de nous faire incarner un... C'était quoi d'ailleurs? Un courrier d'ailleurs. Un livreur. Parce qu'au final, ça donnait un certain background. Donner une journée à Z-114. D'accord, donc c'est pas tout de suite. Donc on va donner une journée à Z-114. Bah de toute façon, je vais arrêter cette vidéo de là, donc je vais donner une journée donc à Z-114. Ça va faire beaucoup à encaisser d'un coup pour vous.
La cantine est toujours ouverte. Donc, j'espère que ce let's play, comme d'habitude, vous a plu. J'espère vous retrouver pour le prochain. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, salut, à une prochaine sur la Nomar TV.